Moins d'un mois après la visite historique du chef de la diplomatie tchadienne, Son Excellence Monsieur Moussa Mahamat Faki, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine à Havana, ce fut le tour en ce jeudi 22 octobre 2015 du docteur Mahamat Nasser Hassan, ambassadeur du Tchad aux USA avec juridiction sur Cuba, de monter les marches à la place de la Révolution, franchir le perron du palais présidentiel de la République cubaine afin d'y présenter ses lettres de créance à Son Excellence Monsieur Raúl Castro, président de la République de Cuba. Les petits plats ont été mis dans les grands par les plus hautes autorités cubaines afin de réserver à l'ambassadeur tchadien tous les honneurs protocolaires dus à son rang et au pays ami qu'il représente. Le vice-président cubain, Son Excellence Monsieur Salvador Mensa, en présence du vice-conseiller, Monsieur Marcelino Merina, a reçu des mains du diplomate tchadien la lettre de créance signée du chef de l'État tchadien, Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, le nommant désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel en République de Cuba. Avec cette accréditation, un très grand pas diplomatique et politique vient d'être ainsi franchi dans la capitale cubaine entre le Tchad et la République sœur de Cuba. Fruit d'une longue tradition de coopération et d'amitié agissante entre les deux pays et les deux peuples, résultante directe de la volonté manifeste du chef de l'État, Son Excellence le Président Idriss Déby Itno, de faire de la diplomatie tchadienne un véritable outil de développement. Cette cérémonie de présentation de créances vient pour ainsi dire traduire en acte l'amitié historique existant entre le peuple cubain et tchadien, magnifier les bonnes relations de coopération entre les deux pays et solidifier le soutien politique que le Tchad a toujours accordé à la République sœur de Cuba.